Thank you. Bonjour tout le monde, je suis hyper content d'être au forum PHP, c'est la, la, la conf où j'ai commencé à faire des talks, et ce que je disais c'est que j'adore la communauté, donc je suis très content. Euh, et j'avais arrêté de faire du PHP, je suis content, j'ai eu une bonne excuse d'en refaire pendant six mois là, donc je suis content de vous, vous partager tout ça. Euh, rapidement, donc oui je suis le CTO de Theodo, on est une ESN spécialisée dans le web, à Paris. Euh, je suis aussi euh, l'organisateur du meetup Generative AI Paris. Si ça vous intéresse, euh, si mon talk arrive à vous donner un petit peu envie d'en de, faire, n'hésitez pas à aller voir. On a plein d'événements et notamment une conf qui arrive, qui arrive bientôt. Euh, mon but aujourd'hui, ça va être de vous donner envie de construire des applications avec l'IA générative. Euh, et euh, l'idée, c'est de vous montrer comment on peut faire des choses simples en vous expliquant pas à pas comment, euh, comment ça marche. Vous allez voir. C'est pas très compliqué une fois qu'on a compris. Euh, un petit tour sur qu'est-ce que permet de faire euh, l'IA euh, aujourd'hui. Euh, donc on a avec le meetup on a eu plein de plein de retours d'expérience c'était très cool. Je vous en citer quelqu'un, quelques-uns. Euh, un qui m'a beaucoup fait rire c'est celui de, de Harry qui a réussi euh, à faire euh, un faux site WordPress. Euh, il a fait un faux marmiton. Avec euh, l'intégralité du site et tout est généré par l'IA. Donc, il a généré 1000 euh, recettes de cuisine, mais les 1000 recettes de cuisine, il n'y en a aucune qui existe en vrai. Tout est inventé. Euh, les photos aussi et le nom des, des chefs aussi. Donc, tout est, tout est faux. Et il a réussi à se faire référencer et il est venu, euh, il est venu en parler. C'est très rigolo parce qu'il avait aussi cuisiné ces faux plats et il nous les a fait goûter. C'était euh, top. Il euh, y a Vincent qui lance une startup pour faire de l'AB testing euh, euh, avec l'IA et euh, il a des, donc du coup, l'IA, c'est qu'il sélectionne des parties du site qui vont, euh, par exemple, les titres euh, et l'IA va générer des, des, des versions alternatives et euh, va tester celles qui, qui fonctionnent le mieux pour capter l'attention des, des users et il arrive comme ça, par exemple, avec un de ses clients de faire euh, 8% d'augmentation du taux de conversion, ce qui est pas mal euh, si on a pas mal de volume. Euh, un peu plus récemment, il y a une startup qui s'est fait connaître pour générer des, euh, des vidéos entières à partir de, de quelques prompts, et ce qui est euh, assez impressionnant, c'est que donc tout pareil, toute la vidéo est, est fausse, et, enfin générée, et euh, ils arrivent à euh, synchroniser le mouvement des lèvres avec euh, la parole. Et donc du coup, ça fait des, des, des résultats euh, vraiment bluffants. Euh, un autre, euh, un autre cas euh, hyper impressionnant aussi, c'est 360 Learning. Ils, sont, euh, ils ont mis en place un outil qui, euh, en gros, vous uploadez euh, vos documents sur lesquels vous voulez faire des, des cours, un PDF ou voilà, et ça va générer le cours, le quiz des cours et les, euh, les réponses au, au quiz. Et donc du coup, en, en quelques minutes, vous avez, euh, bah, vous avez tout. Alors que avant potentiellement, vous pouvez mettre euh, des semaines. Euh, nous, je sais qu'en interne, on, on bosse beaucoup sur la formation et euh, ce genre de ce genre de cas, on met vraiment beaucoup de temps à en faire. Donc là, c'est assez bluffant. Euh, il y a aussi beaucoup de choses dans, dans le domaine du jeu vidéo, par exemple la boîte de scénario qui génère plein de, de variantes d'assets en, en quelques minutes. Euh, donc voilà, pareil, c'est hyper cool. Euh, et euh, et Stal de chez nous a, a réalisé un, un outil open source qui s'appelle Quiver, qui a été euh, trending numéro un pendant, pendant quelques temps, euh, qui permet euh, de faire de ce qu'on appelle du chat to data. C'est-à-dire que vous allez sur Cover.app pas maintenant parce que sinon vous n'avez plus rien à écouter, vous, vous uploadez un PDF ou un gros fichier Word ou n'importe quoi où il y a du texte, et ensuite vous pouvez parler à ce PDF, lui poser des questions et il va vous répondre. Donc c est, c est il y a plein de, de cas pratiques hyper cool, et en plus vous pouvez partager, partager ça avec, avec d'autres personnes. Et l'idée c'est, donc ça c'est le premier gros projet open source, et l'idée c'est euh, que je vais vous expliquer comment, comment on a réussi à faire ça. Euh, dans les exemples, je vous ai montré les mo différents modèles, enfin euh, permettre de manipuler plein de, de différents types d'objets, des images, des vidéos, du son. Aujourd'hui, on va se focus sur une petite partie qui est euh, le texte et les, les modèles de, de langue. Rapidement. Euh Comment marche euh, GPT C'est quoi on, on, Under the Wood C'est euh, ce qu'on appelle un Large Language Model, LLM. Et euh, c'est un énorme réseau de neurones. Enfin, comment ils arrivent à avoir des résultats aussi impressionnants C'est qu'ils ont fait deux choses. Euh, ils ont augmenté énormément euh, la taille des réseaux de neurones avec une nouvelle structure euh, qui, avait, qui a été développée par Google. Et ils ont aussi augmenté énormément la taille du jeu de données qui permet de, de les entraîner. Donc, par exemple, pour GPT, ils utilisent euh, les snapshots d'Internet de Common Crawl. Donc, j'ai découvert que ça existait. Sachez que vous pouvez télécharger Internet. Voilà, vous allez sur Common Crawl et vous téléchargez Internet. Il euh, n'y aura pas forcément tous euh, vos petits sites perso un peu cachés, mais en tout cas, euh, Wikipédia, tous les grands sites connus, euh, voilà, ils sont, ils sont dessus. Et ils ajoutent, euh, ce que je, je retournais sur leur site là, euh, je crois 5 à 10 milliards de pages chaque mois. Donc euh, donc voilà. Donc, GPT entraîné sur. C'est un énorme réseau de neurones entraîné sur des quantités monstrueuses de données. Euh, on, a, on a eu la chance d'avoir au Meetup Armand Joulin, qui est un des créateurs de Lama de, de Metal, le modèle open source. Et il a fait une présentation sur comment ça marche. Elle est vraiment excellente. Vous pouvez la trouver sur, sur YouTube. Euh, et particulièrement, il y a cette slide que je trouve euh, hyper forte de, de pédagogie et je lui ai, je lui ai piqué euh, son, nom et son autorisation, mais je le cite. Euh, le, euh, donc, comment marche un LLM euh, L'idée, c'est de prendre un bout de, un bout de texte et de, de le faire tourner dans, dans le réseau de neurones. Et euh, le réseau de neurones, à la fin, va sortir un arbre euh, avec des mots et leurs probabilités associées de, euh, de quel est le mot le plus probable pour compléter euh, cette, cette phrase. Donc par exemple the cat is drinking, 40% de chance que ce soit milk, 30% que ce soit water et en fait après il euh, y a une simple euh, a un petit euh, on prend au hasard un mot en suivant les probas et, euh, et on rajoute le mot euh, avec euh, les mots d'avant. Donc ça fait the cat is drinking milk et on reprend ça et on refait tourner dans la dans la moulinette. Donc en fait quand vous êtes allé sur ChatGPT et que vous voyez les mots apparaître un par un, c'est parce que littéralement on prend la phrase, on la fait tourner, il y a un nouveau mot, il l'envoie au front et puis il tourne comme ça jusqu'à ce qu'ils jusqu qu arrivent à faire le, le résultat que vous voyez. Donc c'est comme ça que marchent les, les nouveaux LLM et, euh, et, et ce qui est surprenant, enfin ça, ça a surpris un peu tout le monde, c'est que c'est hyper efficace, c'est vraiment, vraiment, super efficace. Euh, L'idée d'aujourd'hui, c'est euh, donc je vais vous apprendre à refaire un mini quiver ou un mini un mini Gloria. Gloria, c'est un petit projet open source que j'ai fait. Je me suis dit, okay, OK, donc il y a plein de choses qui vont changer dans nos vies avec l'IA générative. Un des trucs que je me suis dit, c'est euh, notre façon de faire des blogs va euh, évoluer parce que euh, quand on écrit un article de blog ou un article en tant que journaliste, on, euh, bah, on est limité par le nombre de caractères parce que sinon les gens ne vont pas lire. Mais par contre, on a plein d'autres idées. Et euh, pareil, quand on lit... Euh, on est intéressé, mais on a envie de poser plein de questions potentiellement à l'auteur, euh, mais il n'est pas, il est pas dispo. Donc, moi, ma prédiction, c'est que dans le futur, on aura, euh, on aura des articles augmentés où on pourra poser des questions à, à l'avatar des des, euh, des, des, gens qui ont écrit les articles. Et c'est euh, un premier poc de pour faire des trucs comme ça que de, qui m'a donné l'idée de faire Gloria. Donc très concrètement, c'est quoi Ça permet de faire un blog personnel où vous mettez vos données, euh, des infos perso, plus plein d'infos euh, que, euh, que, que vous vouliez partager, mais que vous n'avez pas mis dans votre article, sinon il aurait fait 30 pages. Et ça permet, euh, du coup, à vos lecteurs de poser des questions et, du coup, d'avoir euh, des réponses euh, à ces questions. Et donc, comment on fait ça euh, Le premier problème, c'est que euh, si, vous si vous pluguez juste ChatGPT, euh, et bah, en fait le chat GPT il, a pas, il connaît pas vos données privées donc par exemple si, euh, si vous lui demandez où j'habite, bah, il sait pas du tout donc ça marche pas. Pour y arriver en fait il faut euh, ce que font toutes les apps d'IA générative que vous, que vous utilisez c'est qu'on va donner euh, en même temps que la question euh, plein d'autres informations donc si on lui demande où habite Maxime, qu'on lui donne un gros pavé d'informations avec plein d'infos sur moi, notamment où j'habite à la fin, il peut, euh, il peut répondre. Euh, le problème, c'est qu'on ne peut pas euh, à chaque fois euh, juste envoyer à ChatGPT euh, toutes les informations... Enfin, si on veut refaire ça, on, peut pas, euh, on va être vite limité sur le, le, le montant d'informations qu'on lui envoie, qui est à peu près euh, 10 pages. Euh, et donc, du coup, ça marche pour des... Si vous n'avez pas beaucoup de données euh, où aller chercher, mais, euh, mais ça ne se pas du tout. Euh, par exemple, si vous voulez poser des questions sur Wikipédia, ça ne marche pas du tout. Euh, et euh, et l'autre information, c'est que euh, plus vous allez donner euh, d'informations à, à, à ChatGPT euh, d'un coup, bon, la, la limite c'est entre 10 et, et 20 pages, il y a beaucoup, euh, plus euh, il va avoir du mal à récupérer l'information au milieu de tout ça. Donc l'idée c'est de lui en envoyer, mais pas trop. Et, euh, et on ne peut pas juste euh, faire un call à l'API avec euh, toutes les données. Une, une solution alternative qu'on pourrait utiliser, c'est euh, utiliser des trucs genre Elasticsearch euh, pour faire du, du full text search pour récupérer des parties de contexte qui nous intéressent. Le problème, c'est que euh, Elasticsearch il comprend pas les questions complètes. Donc du coup, il marcherait pas du tout. Il est très bon pour reconnaître par exemple euh, Maxime ou mon nom de famille qui est un peu bizarre, Tonsen. Ça, il, il arriverait à récupérer les endroits dans un texte qui, qui parle de moi. Mais si vous posez des questions un peu plus longues, des phrases entières, ça ne va pas du tout marcher. Donc, qu'est-ce que font toutes les apps IA que vous avez peut-être utilisées Ils font de ce qu'on appelle de la recherche sémantique ou de similitude. Comment ça marche Et là, je vous demande de vous concentrer parce que c'est le seul truc que vous avez à retenir de ma présentation. Si vous retenez ça, vous aurez tout compris. Euh, le truc un peu magique, c'est que... Euh, en gros, les modèles, euh, d'embedding, ils arrivent à faire un truc complètement ouf. Euh, ils arrivent à, à, à transformer du texte, soit un mot, soit une petite phrase, soit un paragraphe en entier, en, euh, en, un, en un vecteur, euh, enfin, en suite de flottants qui représente un vecteur dans un espace. Et ils arrivent à faire ça en gardant conceptuellement le sens du texte. Donc, la magie, une grosse partie de la magie euh, s'opère ici, et, euh, et ça donne un truc de, de fou. Un exemple. Si on imagine que, euh, que l'espace, le, donc c'est des espaces de très haute dimension, il y en a 1536 pour euh, pour OpenAI, euh, si, mais si on imagine qu'il y en avait que deux, l'idée c'est que on prend euh, ces phrases et euh, si on les met sur un plan, ça ça donnerait ça. ça euh, la phrase "J'ai vécu à Paris et Athènes" elle est sémantiquement proche de "J'ai travaillé à Londres". Mais par contre, euh, elle, conceptuellement, elle est éloignée de Longchain est un grand framework. Donc le, vraiment, la magie, c'est que OpenAI arrive à, à regrouper euh, dans l'espace les concepts qui sont proches, donc, comme, le ferait, euh, comme le ferait un humain. Et, euh, et donc après, c'est su, super cool, parce que si, euh, si euh, on veut récupérer de la donnée pertinente par rapport à une question d'un utilisateur, par exemple, si quelqu'un euh, sur mon blog me demande euh, où est-ce que tu habites, eh ben, on va on va faire on va prendre sa question, on va également la projeter dans, dans ce même espace mathématique et euh, on va juste avoir à prendre le contexte qui est les éléments de contexte qui sont proches euh, dans l'espace de euh, de la question. Et donc c'est comme ça que euh, c'est comme ça que fonctionnent les recherches de similitude. Et euh, et le calcul pour faire ça est très très simple, c'est un calcul de distance comme on a fait euh, à l'école, euh, voilà racine carrée de machin, et, euh, et voilà, et c'est très très bête, mais ça marche extrêmement bien. Donc évidemment, ce qui est dur, c'est d'avoir fait le réseau de neurones qui arrive à transformer euh, des textes en suites de, de de flottants qui arrivent à garder euh, du sens. Euh, et la bonne nouvelle, c'est que euh, ces, euh, ces tableaux de flottants euh, qu'on appelle les embeddings, on peut les, on peut les stocker dans plein de solutions que vous utilisez de, depuis depuis longtemps sur vos applications. Il n'y a pas MySQL, mais euh, il y a Postgres, il y a Redis, il y a Elasticsearch, euh, et il y a aussi des vector stores, donc on appelle ça, des, des, ces solutions, on les appelle des vector stores, et on a aussi maintenant des vector stores spécialisés qui permettent de stocker des grandes quantités d'embeddings et de faire ces recherches euh, de manière hyper rapide. Euh, et donc du coup on, grâce à ça on peut refaire euh, on peut refaire ce que euh, le, le Gloria, donc tout, toutes, ces, toutes ces apps euh, qui permettent d'aller euh, chercher du contexte et de répondre à une question euh, par rapport à euh, un corpus de, de données. Euh, L'archive de Gloria elle est hyper simple euh, et on verra à la fin qu'on peut la refaire en, en PHP. Euh, un petit serveur Next.js, on va appeler euh, deux endpoint OpenAI. L'endpoint d'embedding, qui sert à faire des embeddings comme on vient de le voir, et euh, le endpoint de, de, de GPT, qui permet de générer euh, la réponse euh, à la question. Et un vector store. Moi, j'aime bien pour les, pour les petites quantités de données utiliser Postgres, parce que généralement, c'est une stack web qu'on qu maîtrise bien. Euh, je vais vous montrer du coup les trois grandes étapes euh, pour, pour reconstruire ce, ce genre, ce genre d'application. La première, c'est euh, comme on va euh, comment on va stocker, comme comment, comment il va falloir aller chercher du contexte, euh, de la data pertinente par rapport à la question euh, via la recherche de similitudes qui, qui sont les, les embeddings. La première, la première étape, c'est de créer euh, les embeddings sur notre data. Donc, il faut une source de data. Euh, par exemple, des fichiers texte, mais ça peut être une API, ça peut être peu importe où est votre data. Euh, ensuite, il y a une petite contrainte. Euh, on peut envoyer des paragraphes, mais on va être limité euh, dans la taille de ces embeddings. Et aussi, euh, si vous enfin, l'idée c'est de récupérer de la donnée la plus pertinente possible. Et si vous envoyez des gros pavés, euh, en fait, conceptuellement, il va y avoir plein de choses mélangées, et donc du coup, ça va être un petit peu moins intéressant. Donc, l'idée c'est de, de découper de manière conceptuelle, enfin, euh, des, des, des bouts logiques euh, votre euh, euh, votre source de données, par exemple, si c'est euh, si c'est une page web, ça peut être tous les H2 de votre page. Ben vous, euh, vous vous prenez un texte et vous en faites un, un embedding. Donc vous avez votre source de données qui peut être des euh, un fichier texte. Vous le découpez en, en sous euh, en sous fichier en, en plus petits chunks. Chaque chunk, vous l'envoyez à OpenAI. Il vous renvoie des embeddings et, euh, et vous les stockez dans un dans un vecteur sort. Donc ça c'est la première étape qui vous permet d'avoir une base de données remplie d'embeddings sur lequel vous allez pouvoir faire des recherches. La deuxième, c'est de pouvoir faire des recherches par rapport à la question d'un utilisateur. Et là, c'est quasiment le même, la même chose. On prend une question, on en fait un embedding directement. Généralement, on n'a pas besoin d'en faire un chunk parce que les questions sont très courtes. Et, euh, et on va aller chercher euh, les, euh, les embeddings, le contexte qui est euh, le plus proche d'un point de vue sémantique euh, dans votre vector store. Donc, et l'autre raison pour laquelle j'aime bien Postgres, c'est qu'on peut le faire en SQL, et c'est quelque chose que si vous avez fait du SQL, vous, vous comprenez assez bien. Il y a juste un petit opérateur bizarre qui permet de, de, de calculer une, une distance. Et vous voyez que c'est assez simple. On fait un select euh, et, euh, et on va trier par un calcul de distance qui, qui est fait avec une extension qui s'appelle pgVector Vector. Et, euh, et ça vous sort du coup, les, les cinq éléments euh, les plus proches de la question de votre utilisateur. Et la dernière étape, c'est de, euh, de générer une réponse smart par rapport, à, grâce au contexte qu'on qu a eu. Euh, pour ça, la plupart du temps, euh, l'exemple le, de Gloria, c'est euh, l'idée, c'est que j'ai fait une, un assistant personnel qui fait genre euh, que c'est moi, et qui répond de manière, je lui dis, bon, il faut que tu répondes de manière sympa à mes, à mes lecteurs. Euh, si tu n'as pas la réponse, essaye pas de les bullshitter, tu dis que tu ne sais pas. Et, euh, et voilà, c'est la partie, ce qu'on appelle... Le, le préprompt qui permet de donner un petit peu comment la, votre IA personnelle va se, va se comporter et ensuite, euh, ensuite c'est juste une simple concaténation euh, juste une simple concaténation on va euh, prendre euh, le contexte qu'on a récupéré euh, via la recherche de similitude dans notre Postgres. on va rajouter on va concaténer euh, la question de de l'utilisateur ça nous fait une grosse string et cette string on l'envoie euh, à l'endpoint de GPT et GPT, il va nous générer la réponse et, euh, et voilà, c'est fini, on a notre euh, on a notre chat. Donc c'est euh, comme ça que fonctionne euh, Quiver. C'est comme ça que si vous avez utilisé une des solutions euh, de chat tout data sur euh, sur euh, parce qu'il y en a il y en a plusieurs qui sont disponibles, et elles fonctionnent tous 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 de, de la même manière. Euh, et j'espère que maintenant vous avez compris comment, comment faire. Euh, le, euh, le truc dont je suis content de vous partager, c'est que euh, cet été, euh, je me suis chauffé pour euh, faire une libre open source pour vous aider tous les utilisateurs de PHP à refaire euh, ça de manière hyper simple. Et je l'ai appelé Elephant, petit jeu de mots avec éléphant et LLM, j'espère que vous apprécierez. Euh, voilà. Et euh, je me suis inspiré euh, du framework le plus connu dans la communauté Générative AI qui s'appelle Langchain, qui a vraiment décollé. Euh, de ouf euh, au, début, au début de l'année, il est là, il est à 60 000, euh, 60 000 stars. Et le, en gros, c'est quoi la prouesse de longchain La valeur, c'est euh, de pouvoir faire des apps génératives de manière euh, hyper simple. Euh, donc moi, je suis devenu accro à la générative AI grâce à longchain, parce que euh, justement le, tout, tout le principe que je viens de vous, euh, viens de vous expliquer, euh, ça tient en quelques lignes de code et, euh, et on a des résultats hyper bluffants. Alors, c'est des choses basiques euh, qui sont vite limitées, mais euh, rien que, même, même avec ces, ce, cette approche, euh, ces, ces algos naïfs, on arrive à des résultats euh, hyper euh, hyper bien. Donc, je me suis inspiré de LangChain pour faire Elephant, qui est du coup le LangChain PHP. Alors, il y a un LangChain PHP sur GitHub, mais qui est à l'abandon euh, et qui du coup euh, euh, m'a motivé à faire ça euh, cet été au grand dam de ma copine. Euh, du coup, comment ça marche euh, J'ai essayé de faire... Donc, ce que moi, j'ai essayé de faire, c'est vraiment euh, le truc le plus simple possible. Donc, euh, j'ai pris un parti pris. L'avantage de Longchain, c'est qu'on peut utiliser euh, différents euh, modèles open source. Euh, je veux dire, OpenEI, ça peut être Mistral, euh, n'importe quel LLM. Euh, L'idée, c'est que pour pouvoir switcher facilement, euh, moi, comme je n'avais pas beaucoup de temps, j'ai préféré me focus que sur OpenEI. Qui est le meilleur réseau aujourd'hui? Malheureusement, il n'est pas open source. Euh, mais donc, du coup, s'il y a des contributeurs, euh, on peut en parler après. On... Et donc, du coup, comment faire pour générer du texte? C'est assez simple. Une fois que vous avez récupéré votre clé API sur la plateforme d'OpenEI et que vous l'avez mis en variable d'environnement, ça, ça se fait en deux lignes, générer de texte. Euh, comment vous pouvez faire pour. Euh... Donc, ça, c'est du texte. Ça, c'est du texte en one-shot. Vous pouvez aussi avoir envie de faire des, des, des conversations un peu plus élevées. Et vous pouvez avoir envie de lui de, de donner une instruction à GPT sur comment il doit, euh, comment il doit euh, se comporter. Donc, et donc ça, ça se passe avec euh, ce qu'on appelle le System Message dans, dans OpenEI, qui en gros va dire, bon, euh, il va expliquer à, à OpenEI comment, euh, comment GPT doit se comporter avec le texte qu'on lui envoie. Euh, et donc par exemple si on lui dit euh, quoi qu'il arrive tu dois toujours répondre ok et qu'après on lui pose une question c'est quoi one, one plus one, il répondra ok. Voilà. Euh, mais vous pouvez lui demander de faire des choses un peu plus smart que ça, évidemment. Euh, et du coup si on veut recoder euh, Quiver ou Gloria euh, en PHP, euh, on peut le faire en, en quelques, quelques lignes de code. Donc là, euh, l'idée c'est que j'ai créé, euh, créé une classe qui permet de stocker facilement ces embeddings euh, dans Postgres euh, via Doctrine, euh, parce qu'on qu utilise pas mal de Doctrine dans, dans ma boîte. Et, euh, et donc du coup, comment ça marche euh, On passe euh, un file pass qui, euh, qui, qui a tous les fichiers que vous voulez charger. Une, une entité qui va être l'entité euh, doctrine qui va permettre de, de stocker euh, toutes les informations. On fait un get document qui va aller parser euh, tous ces fichiers. Une fois qu'on a, a ces fichiers, on va les découper en plus petits chunks. Une fois qu'on a, on a ces petits chunks, j'ai rajouté une, une étape de formatting. Donc là, c'est là où vous pouvez mettre des trucs un peu plus smart, un peu plus euh, métier. Donc ça va dépendre vraiment de, de votre contexte. Une fois qu'on a, euh, qu a reformaté un petit peu ces, ces chunks, euh, on va pouvoir en faire des embeddings. Et là, on utilise la classe OpenAI Embedding Generator. J'ai essayé d'être très explicite dans les noms. Euh, et euh, on lui passe les documents et on récupère euh, des documents euh, embeddés. Et ensuite, on va utiliser une, une classe de, de vector store, par exemple euh, Doctrine Vector Store. Euh, on lui passe un Entity Manager pour, pour cette, cette classe-là. Et euh, on va euh, appeler la, la méthode add AddDocument. Et donc du coup, derrière, euh, derrière, il va prendre toutes ces entités et il va les stocker dans Postgres euh, le texte et les embeddings associés euh, dans, les, dans les entités. Et donc du coup, euh, grâce à ça, une fois qu'on a fait ces étapes-là, euh, on a une base de données avec tous, les, tout, tous nos textes qui ont été transformés en embeddings et qu'on va pouvoir faire des. qu'on va pouvoir utiliser pour faire des recherches. Euh, un, euh, et donc c'est la fin de... Euh, sur la, la fin de la slide, c'est ce qu'on fait. Euh, on pose, alors c'est pas vraiment une question, mais c'est, euh, euh, ce, ce passage-là vient des tests de, de Elephant euh, où en gros je peux, le, du coup, je cherche euh, des, des choses qui ressemblent à France, the country, et je fais une recherche de similitude là-dedans dans dans une dans, dans le dans une petite dans un vector store euh, dans un vector store et ça ça me renvoie bien les. Euh, les, euh, les éléments de, de texte qui ressemblent le plus à, euh, à la France. Et donc, grâce à ça, donc avec ces quelques lignes, vous pouvez refaire, euh, refaire les euh, Ce qu'on a fait, euh, c'est qu'on essaye d'augmenter euh, avec les, euh, les les quelques collègues qui bossent avec moi sur, sur le sujet. On a essayé d'augmenter le nombre de vector stores, parce que tout le monde bosse pas avec Postgres. Euh, on a ajouté Redis cette semaine. Il y a une PR en cours sur Elasticsearch. Euh, pour utiliser facilement, vous pouvez, euh, si vous voulez euh, aller vite, vous pouvez utiliser soit le, un vector store en mémoire ou sur le file system. Ça, ça marche très bien pour quelques. Si vous avez quelques centaines de vecteurs, pas plus, ça, ça marche très bien. Et on a aussi euh, utilisé Qdrant, qui est un vector store spécialisé, qui est, euh, qui est le, un des meilleurs sur le marché. Euh, actuellement et qui est open source donc vous pouvez euh, vous pouvez vous pouvez tester euh, et euh, et poserest comme on vient de le voir euh, et donc, donc ça ça permettait de faire une recherche de similitude où dans result vous avez les documents les plus proches de la question du utilisateur et là vous pouvez euh, vous pouvez en faire ce que vous voulez euh, par exemple il y a beaucoup de il y a beaucoup de logiciels IA qui se contentent une fois d'avoir fois qu'ils ont récupéré les, les documents ils disent bon bah voilà j'ai récupéré les documents euh, les sources de documents qui, qui sont les plus proches de la question que l'utilisateur vient de poser, euh, vous, pouvez, vous pouvez regarder. Et euh, sinon on peut faire une vraie, euh, une vraie réponse avec euh, GPT. Et euh, donc là je remets un exemple un peu complet, mais le début c'est la même chose, sauf que j'utilise euh, au lieu de doctrine j'utilise memory vector store, et j'utilise ce qu'on appelle un, une chaîne, donc c'est comme ça que, c'est de là de venir le long chain, qui permet d'abstraire euh, toute, euh, toute cette partie-là, là, euh, toute cette partie-là et toute cette partie-là en, en quelques lignes. Et donc du coup, euh, avec une euh, en une ligne, vous, avez, vous pouvez créer une, un chatbot qui répond de manière smart à une conversation. Parce que c'est vrai que dans tous les exemples, c'est juste euh, une question. Mais euh, quand vous, vous utilisez sur ChatGPT, parfois vous lui demandez quelque chose, il y a une réponse, ce n'est pas exactement ce que vous voulez, vous pouvez lui en redemander une autre et il garde le contexte de toute la conversation. Et, euh, et l'idée, c'est qu'avec ce, ce bout de code-là, vous, euh, vous pouvez faire la même chose. Et, euh, et là, vous pouvez, euh, du coup, il peut répondre avec euh, votre, euh, votre base de données. Euh, je vous ai parlé de Quiver, qui, donc vous pouvez. Les, les use cases qui sont le plus utilisés, c'est euh, le knowledge management. Euh, par exemple, dans notre boîte, on a, on a fait un, un, une IA personnelle qui permet de répondre rapidement à, euh, à une question sur notre base de, de données, euh, Notion. Donc, on a, on a commencé à avoir un gros Notion, ce que je crois qu'il y avait genre 50 000, 50 000 pages. Et euh, les nouveaux se perdent rapidement dans le Notion, malheureusement. malheureusement. Et euh, donc j'ai vu que Notion, pour ceux qui utilisent Notion, parce que j'imagine que vous êtes beaucoup à l'utiliser, euh, ils viennent de sortir aussi des, une petite extension qui, qui font la même chose, qui permettent de trouver rapidement via euh, exactement ce que je... ce système de, de recherche de similitudes, les documents. Euh, les documents. Et, euh, et donc du coup, un des use cases qui est utilisé beaucoup sur le marché, c'est comment... Enfin, euh, c'est utiliser ces solutions pour aller récupérer un document précis euh, d'une question. Il euh, y a aussi euh, l'autre, l'autre gros, euh, l'autre gros cas d'usage, ça va être sur les, les sites e-commerce, euh, où, euh, en gros, jusqu'à maintenant, sur un site e-commerce, on, euh, on cherchait, par exemple, je veux euh, une robe blanche, on cliquait, on tapait robe blanche dans la barre de recherche, et euh, enfin, on cliquait même, on tapait robe, et ça nous sortait toutes les robes, et puis après, on pouvait trier par couleur. Et en fait, euh, ce que la recherche de simidude va permettre de faire, c'est des recherches un peu plus dans euh, le langage naturel, par exemple. J'ai un mariage cet été, euh, en Italie, il va faire chaud. Quel type de tenue tu me proposes Et donc là, euh, là vu conceptuellement, euh, votre système va comprendre de quoi vous parlez. Il va pouvoir vous proposer des, des objets à vendre qui, euh, qui, qui, sont, euh, qui correspondent à ce que vous voulez, mais que vous n'avez pas euh, rentré vous-même directement. Euh, c'est bientôt la fin. l'autre euh, truc hyper impressionnant euh, de c'est la faculté euh, d'envoyer de, une description de fonction et OpenAI va vous dire oui, enfin, appelle cette fonction avec ces paramètres là. Donc comment ça marche euh, Vous envoyez une description de fonction à euh, OpenAI, par exemple. Euh, J'ai une fonction qui permet d'envoyer des mails, qui prend en paramètre un body, un destinataire et je sais pas quoi, et, euh, et OpenEI, et vous pouvez envoyer, et vous pouvez lui proposer plusieurs fonctions comme ça. Et quand vous allez parler à OpenEI euh, avec euh, du texte, il va choisir de soit de vous répondre à votre question pour continuer le, la discussion, soit il va vous dire, euh, soit il va répondre, là, il faut appeler la fonction envoyer un mail avec tel paramètre. Et euh, le truc cool, c'est que j'ai rendu assez facile dans les fonts de pouvoir faire en sorte que OpenAI appelle euh, vos propres fonctions. Et donc, comment ça se fait Comment ça se passe C'est que, du coup, j'ai fait un petit, un petit helper pour euh, générer la, la description de vos, de vos méthodes. Et, euh, et quand OpenAI me renvoie euh, le, la réponse, il faut appeler cette, cette fonction, bah, je, je gère ça, ça c'est bien. Et du coup, euh, pour vous donner un exemple euh, de comment ça de comment ça marche si vous avez euh, comme je vous disais euh, une classe qui permet d'envoyer des mails genre euh, voilà mais il leur exemple avec SendMail, vous utilisez une, une méthode dédiée pour qui va qui va récupérer le qui va récupérer les informations de, de votre méthode la signature php doc euh, vous l'ajoutez à votre euh, à votre classe qui permet de parler OpenEI. Et vous pouvez lui définir le comportement attendu. Donc, par exemple, euh, tu es une IA qui, euh, qui délivre des, des informations par mail. Quand tu as assez d'informations, tu, euh, tu envoies le mail. Et, euh, et euh, donc là, l'exemple, c'est qui est Marie Curie en une ligne et euh, mon mail, c'est ça. Et donc, quand, si vous utilisez ces quelques lignes, euh, ben, euh, si vous passez une, un vrai... Une vraie classe qui envoie des vrais mails, et ben, euh, du coup, Elephant va euh, appeler votre fonction et va envoyer un, un vrai mail. Euh, pour le, 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 le petite anecdote euh, marrante, j'ai euh, j'ai codé comme ça Théodo.ai, où euh, en gros j'ai dit bon bah voilà, tu es tu es un sales de Théodo euh, et tu, euh, tu expliques tout, toutes nos offres à, aux visiteurs et, euh, et tu demandes des informations et à la fin tu mets en relation avec Maxime. Et donc du coup, euh, j'aurais dû le, le relancer parce que je crois que la, la base de, le Vector Store est, est éteint, donc ça ne va pas marcher si vous essayez. Mais euh, en, et en gros, à la fin, euh, donc, quand vous allez sur le, le site, quand, quand, il, quand il est up, euh, vous pouvez avoir une discussion, vous pouvez les poser des questions. Ah, j'ai un nouveau, euh, un nouveau, nouveau site e-commerce à faire, est-ce que Théodo peut m'aider euh, C'est en, en .NET ou je ne sais pas quoi. Euh, et là, l'IA dit, ah, bah, dis-moi en plus, blablabla. Et, euh, et à la fin, quand, quand OpenAI décide qu'il y a eu assez d'informations sur le contexte, et ben, il répond au système, bon, bah, c'est bon, appelle la fonction, envoie un mail, et ça m'envoie un mail avec le résumé de la conversation et, le, et tout, tout, tout ce qu'il faut. Donc c'est ce genre de choses un peu marrantes euh, qui, euh, qui, sont, qui sont assez, euh, assez cool. Et, euh, et voilà, et pour conclure, du coup, euh, vraiment l'idée, le, le concept vraiment... Un peu dur à comprendre c'est cette histoire d'embedding. J'espère que, que je voulais que je voulais bien expliquer. Mais une fois que vous avez compris ça, en fait, la plupart des, des applications de, de, sur le langage, enfin, qui utilisent le langage dans, dans l'IA, sont basées sont basées là-dessus. Avec, on prend des concepts, on en fait un vecteur mathématique, et ensuite, on va chercher les contextes proches pour répondre à une question euh, en faisant un calcul de distance dans, dans un espace vectoriel. Euh, ça permet euh, ensuite. Je vous ai montré que on peut construire ce qu'on appelle des rags, c'est-à-dire les, les quiver-like euh, euh, assez facilement. Vous voyez, en quelques lignes de code avec Elephant ou, euh, ou Longchain dans un autre langage, euh, ça, se fait, ça se fait très bien. Et euh, Longchain, c'est un, euh, un, euh, un super framework pour faire, pour faire ça. Et Elephant, euh, j'essaie d'en le faire avec, avec les autres le, le Longchain du, du PHP. Il me reste encore un peu de temps, j'ai quelques slides. Hop, oh, euh, je, je m'étais mis une slide de rab, que si j'allais un peu vite. Euh, L'autre truc impressionnant qu'on qu peut faire, c'est euh, les agents autonomes. Alors, en levée de gens, cette histoire de, de fonctions qu'on peut appeler, euh, on, peut, euh, on peut créer ce qu'on appelle des agents autonomes. Qui, euh, oh là, là erreur, Hop, la vidéo, ça, ça va être chiant. Euh, qui, qui vont permettre de réaliser une tâche euh, de manière, de manière autonome. Donc, par exemple, là, c'est le screenshot final de, euh, de, d'un agent autonome qui est dans dans Elephant, qui s'appelle Auto PHP. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de Auto de GPT. Pareil, j'ai essayé de faire un petit jeu de mots sympa. Euh, et euh, le, la consigne que j'ai donnée au taux de GPT, c'est euh, donne-moi le nom de deux femmes de joueurs de l'équipe de France de foot. C'est un truc qu'on peut pas avoir en une seule requête euh, sur Google. Et en fait, ce qui se passe, c'est que l'agent, il, euh, il va tout seul. Euh, je lui donne juste ça comme, euh, comme instruction. Et ce que fait l'agent, c'est qu'il va créer une liste de tâches. Ensuite, il va les exécuter une par une. Euh, et ce qui est marrant, c'est comme il y a des joueurs de foot qui ont pas de, pas de femmes, en fait... Euh, on le voit qu'il fait une requête, euh, une requête, à Google pour chercher le nom de des joueurs de l'équipe de France, parce qu'il les connaît pas tous. Ensuite, il va, il va, prendre le premier joueur, il va chercher le nom de sa femme, il va voir qu'il est, euh, il est célibataire, donc ça marche pas. Donc, il se rajoute une nouvelle tâche qui est de chercher le nom d'une femme d'un nouveau joueur, et il tourne comme ça, tout seul, pour euh, pour arriver à avoir euh, un résultat. Donc, c'est des trucs très très early, euh, vraiment expérimental, mais euh, en gros, c'est un des futurs où on va pouvoir déléguer comme ça des tâches de plus en plus complexes euh, à des agents, euh, à des agents autonomes qui réaliseront, euh, qui vont pouvoir nous, nous aider. Et, euh, et au cœur de ces agents, il y a cette possibilité de, de chaîner des fonctions euh, un peu compliquées. Euh, donc ça va être un mélange de programmation classique telle qu'on le connaît avec euh, GPT qui essaye plus ou moins de comprendre euh, ce qu'il doit faire. Ça ne marche pas, pas encore super bien, mais euh, mais on arrive à des, des premiers résultats euh, assez cool. Et, euh, et voilà. Et je vais finir là-dessus. Et euh, merci beaucoup. Et je fais, si le sujet vous intéresse, donc du coup je vous ai parlé, il y a un meet euh, il y a un meetup à Paris, et on fait une conf euh, le 30 novembre à Paris. Et ce euh, sera un plaisir de vous, de vous accueillir. Et on a un peu de temps pour des questions. Merci beaucoup. Merci Maxime. Euh, du coup, comme il l'a dit, on a du temps pour des questions. Il y a un micro qui va passer parmi vous. N'hésitez pas à lever la main si vous avez des questions. Oui, bonjour. Merci pour ce talk. Alors, vous avez parlé beaucoup des embeddings, des intégrations. Euh, nous, de notre côté, on avait plutôt, on était parti plutôt sur les modèles personnalisés avec euh, en fait l'apprentissage. Est-ce que vous avez pu euh, réaliser cela aussi et quelle est la différence entre le faire via les embeddings ou via les modèles personnalisés Vous voulez dire le, le fine tuning Oui. Euh, bah c'est complémentaire. Euh, en, en fait, le fine tuning, ça va aider, euh, ça va aider à cette étape, à cette étape-là où. Euh, alors juste pour, pour pour tout le monde, le fine tuning, c'est une étape. Euh, en gros, c'est l'idée, c'est de prendre un modèle. Euh, comme GPT ou, euh, ou LAMA, et de lui faire, appre de lui faire apprendre euh, des, un petit peu plus son métier. Par exemple, je ne sais pas quel est votre, votre secteur euh, dans le support informatique, donc il euh, y, y a un vocabulaire qui est toujours un petit peu plus particulier, potentiellement avec des, des mots de, de vos solutions. Et donc, lui, lui, du coup, le fine-tuning, c'est d'apprendre euh, ce, ce vocabulaire spécifique qui est, qui est contextuel à, à l'entreprise. Et euh, ce que permet de faire le fine-tuning, c'est du coup, quand on envoie euh, des questions à, au modèle, euh, il comprend mieux ce qui se passe et, euh, et potentiellement, il a quelques infos qu'il peut régurgiter. Et c'est ça. Le problème, c'est que euh, euh, si votre base de connaissances elle est très grande, euh, ça ne va pas marcher et, euh, et vous êtes toujours en proie aux hallucinations. C'est-à-dire, cette partie où le modèle, il répond quelque chose, mais, mais il va, il va bullshitter. C'est-à-dire, il va, il, va, il va inventer un truc qui n'est qui, qui pas vrai. Ça lui paraît à peu près vrai, mais ce n'est pas vrai. Alors que, euh, le, avec la, le système de, de recherche de similitude, si vous mettez la question et euh, la réponse dans le même prompt, généralement, il ne dit, il dit pas n'importe quoi, il arrive à comprendre la bonne réponse qu'il qu doit faire. Donc, en gros, les deux systèmes sont, euh, sont complémentaires. Mais euh, ce que conseillent les, euh, les, les gens du milieu, parce que j'avais posé exactement la même question, euh, c'est de ne pas faire de fine-tuning au début, mais de le faire vraiment plus tard et d'essayer de faire en sorte que ça marche rien qu'avec la recherche de similitude qui, euh, qui est assez facile à mettre en place. Voilà. Merci pour la réponse. On va prendre juste une dernière question et comme ça, après, on laissera les gens rentrer. Euh, oui, je me... merci pour la conférence, c'était super intéressant. Je me demandais du coup, est-ce qu'il existe des alternatives à OpenAI pour euh, renvoyer les, les embeddings à partir des, euh, des documents Est-ce qu'il y a des alternatives par exemple open source Tu sais un peu ce qui existe à part ça, à part OpenAI Oui, il y, y, en, y, en, y en a plein. Il y en a plein, plein, plein. Il euh, y en a de plus en plus. Euh, on est dans la phase euh, un peu comme le JavaScript où il y, y en a un nouveau euh, par jour. <laughs> euh, Enfin, tout, tous les modèles open source en, en ont, euh, Lama, euh, Mistral. Ils vont, ils vont, ils, tout le monde en a. Euh, il y en a des petits, des gros. Euh, et euh, l'avantage de prendre des petits, c'est que ça va te coûter moins cher de, de run. Et les gros vont être plus précis. Euh, le seul truc, c'est que pour l'instant, euh, ça reste OpenAI qui, qui, qui sont les meilleurs. En tout cas, GPT 4 est le meilleur. Pour les embeddings, j'ai pas trop de. J'ai pas trop de, de benchmark en tête, mais euh, de ce que je comprends, ça reste, il euh, reste en avance. Mais les modèles open source euh, les rattrapent, euh, les rattrapent pas mal. Bon, si c'était la dernière question, tant pis. <laughs> oui, mais... on, va, on va rester là, désolé. Euh, n'hésitez pas à vous serrer un peu parce que du coup, la deuxième salle va venir ici pour la dernière conférence, donc on va être beaucoup. Euh, et encore merci Maxime pour ta conférence. Vous pouvez coller.